Ok, bonjour à tous. Je suis Jean Bonnet Papa, secrétaire national délégué en charge de l'éducation de base et secondaire, de l'éducation civique et de l'hygiène publique au MRC. Alors, regardez ici, là et là. Ici a été fixée hier la plaque qui indique le nouveau siège départemental du MRC à Tchan. Voilà. Elle a été vandalisée. Écoute-toi, écoute-toi. Alors, voilà. Elle a été vandalisée dans la nuit. J'ai dit encore, c'est hier qu'elle a été implantée. Ce n'est qu'hier. Voilà. Elle a été simplement coupée. Donc, je veux interpeller ici l'exécutif communal de la mairie de Tchan. Je veux interpeller, par exemple, le maire Sabgou, Kemle Jakis, qui est le maire de Tchan. Je veux interpeller le docteur Toukam Landry, qui est adjoint au communal de Tchan. Je veux vous poser une question. Une question rhétorique à laquelle je n'attends pas forcément une réponse. Avez-vous une idée de qui peut vandaliser la plaque du MRC à Tchan? La plaque du MRC. Avez-vous une idée des compatriotes qui ont intérêt à ce que le MRC disparaisse dans la Meunoie? Est-ce que c'est comme ça qu'on fait la politique? La politique avec la haine, avec le mauvais cœur, la politique avec la division. On fait la politique en cherchant à nuire à l'autre. On fait la politique en cherchant à exister seul. On fait la politique en n'acceptant pas l'opinion contraire. Voilà la plaque du MRC qui a été vandalisée. Une plaque déposée seulement hier soir. Seulement hier soir. Le MRC a toujours prôné l'accession au pouvoir à travers les urnes, par la paix. Nous sommes contre la violence, toute forme de violence. Mais ça ne veut pas pour autant dire qu'on ne doit pas se défendre lorsque de tels actes de vandalisme sont causés. C'est quelle façon de faire la politique, ça? Là, ce sont déjà les couleurs de 2025 ou avant qui sont annoncées. Voilà le game. Ce sont les couleurs de 2025 ou avant qui sont ainsi annoncées. On va jouer ce game. Merci.